ensemble nous permet d'apprécier le déplacement des couples, leur habilité à se déplacer en rythme bien sûr, mais très facilement, avec beaucoup de swing, beaucoup de déplacement, beaucoup d'aisance. Deux couples français, à savoir François et Delphine Fouchet, ainsi que Corinne Pion et Bruno Petit, pour cette demi-finale. Et ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que six couples italiens sont présents. Et on vous disait tout à l'heure qu'ils étaient au summum tant en standard qu'en latine bientôt. Bah, la preuve est faite. Deuxième danse que l'on va suivre tout de suite, le tango. Galeone Manigras, que nous avions eu l'occasion de voir lors des championnats du monde d'e-dance sur Paris 1ère. Merci. On parlait des Italiens, mais on peut également parler des pays de l'Est, parce que dans cette finale, il y a quand même trois couples, trois représentants des pays de l'Est. C'est également un vivier pour la danse standard, mais également pour les danses latines, on le verra tout à l'heure. Avec effectivement l'Estonie, qui est représentée par un couple habitué des demi-finales et des finales de grands rendez-vous internationaux. Troisième danse, le Slow Fox. Le couple favori, Bansignori, Baldasseroni, ils étaient finalistes des championnats du monde standard l'an passé, souvenez-vous, nous avions eu l'occasion de les voir également sur Paris 1ère, passés professionnels cette saison, ils ont tout à gagner cette année à se classer parmi les meilleurs, ils sont déjà dans les 12 premiers mondiaux professionnels, c'est vous dire. Et il faut dire que ce soir, il y a un absent de marque, l'autre couple italien le plus connu. Le champion du monde professionnel, Augusto Schiavo, Caterina Arzenton, malheureusement tombé malade dans la nuit de vendredi à samedi. Il a prévenu par fax l'organisateur qu'il ne pouvait pas se rendre à la compétition le samedi. Ce qui aurait encore augmenté la proportion d'Italiens. Came over you. You found someone new, and don't make my rise. I'll be fine when you go. Bruno Petit et Corinne Pion, dont je vous parlais tout à l'heure, les numéros 27. Vice-champion de France standard, finaliste des derniers championnats du monde d'e-dance au Mans. Et champion de France d'e-dance. Tell me some lies. Give me no reasons. Give me alibis. L'autre couple français, donc, François et Delphine Fouchet, numéro 12. Champion de France standard depuis quelques années. Les voici, François et Delphine. Tell me you
On revoit un petit le couple italien. Eric vous le disait, grand favori ce soir. Et voilà un pas de dégagement qui peut faire école pour les couples. Quatrième danse, le quick step. Avec un titre qui date des années 50, Mr. Sandam. On reconnaît là l'habitude des parquets de danse. Allemand qui figurait dans l'équipe d'Allemagne amateur il y a quelques années, passé professionnel depuis deux ou trois saisons maintenant. Ils sont régulièrement dans les 24 meilleurs mondiaux. On vous le disait au début, le public est venu très nombreux au Palais Omnisports de Paris-Bercy, de plus en plus d'adeptes. La danse va d'ailleurs devenir un sport de démonstration aux JO, tant aux JO d'hiver de 2002 à Salt Lake City qu'aux Jeux de Turin en 2006. Alors là, les Italiens devant le public italien, ça va être du tonnerre à Turin. Ici, une série de skateurs chassés. Cinquième danse, on a un peu changé la place des danses et on termine, là en tout cas chez les professionnels, avec la valse viennoise. Absolument. On termine cette demi-finale avec les grands favoris. Vous les avez vus, Michel Bonsignori et Monica Baldasseroni, les Italiens que nous voyons ici au ralenti. À coup sûr, on les retrouvera tout à l'heure pour la finale. Les standards pour la compétition latine avec les demi-finales et un gros plan sur le visage d'Agnès Morin, la nouvelle partenaire de Marc Barbieri. Mais vous allez voir, ce n'est pas le seul visage que vous allez pouvoir découvrir. Je vous laisse la surprise. On commence avec la première danse, le cha-cha-cha.
avec Marc et Agnès. Donc Marc reprend la compétition après quelques années d'interruption. Souhaitons leur bonne chance, ça a bien démarré parce qu'ils ont eu l'occasion de faire quelques compétitions internationales où ils ont très très bien figuré. Un couple polonais présent dans tous les grands rendez-vous internationaux, dans les demi-finales des championnats d'Europe. Le couple Pavelec. Voilà ma surprise, les fidèles parmi les fidèles de danse sur Paris Première ont certainement reconnu. Elle est encore un peu loin, mais vous allez voir, Carmen. La voici avec Brian Watson. Ils sont champions du monde. Et c'est toujours un délice de voir danser Carmen. Si vous deviez juger, je sens de l'impartialité. Là. Ou de la partialité, non, justement, de l'impartialité. Je serais très partiale, effectivement. Mais on ne les avait pas vus depuis longtemps, et encore plus longtemps à Paris. Donc c'est un plaisir, je trouve cette danseuse superbe. Elle dégage tout ce qu'il y a dégagé sur de la danse. Tout paraît d'une fluidité et d'une facilité, son nom déconcertant. Elle a un sourire aux lèvres toujours. Effectivement, je crois que je ne serais pas partielle. Mais là, je peux le comprendre. Effectivement, aussi bien sur le plan technique qu'artistique, elle est vraiment extraordinaire. Deuxième danse, la samba. Avec un jeune couple professionnel, ils étaient champions de France amateurs l'an passé. Ils sont passés professionnels en début de saison. Cyril Cerveau et Angélique Pires. Ils sont dans cette fameuse année magique où nous n'arrivons rien à perdre. Et ils dansent en pleine confiance ce soir. Couple champion de France en titre, Frédéric Piau, Mylène Clary, finaliste l'an passé à Bercy, 6e. Le couple néerlandais. Angélique Pires et Cyril Cerveau, qui, vous le disiez, Eric, ont fait des débuts prometteurs, notamment en Grande-Bretagne. À l'occasion du United Kingdom Championships, où ils ont été en demi-finale du Rising Star. C'est une compétition donc qui, comme son nom l'indique, détecte les futures étoiles de la danse sportive, puisque les demi-finalistes de l'édition précédente n'ont pas le droit de se présenter, justement pour permettre au couple en devenir de se faire remarquer. La troisième danse, la rumba, je vous le répète, c'est très sensuel, mais là j'attends avec impatience de voir Carmen. Un autre couple favori et fidèle des rendez-vous à Paris, Martin Dillmann et Lydia Weisser. Nous parlions tout à l'heure avec les amateurs de l'avantage d'une carrière amateur pour passer professionnel. Lydia est un peu un contre-exemple, puisqu'en amateur elle n'avait pas fait forcément de très très bons résultats. Alors qu'avec un autre partenaire, passant professionnel, elle était dans les finales des championnats du monde. Également une danseuse fabuleuse. Couple slovène. Katia Klepp a été par le passé la partenaire d'un grand danseur qui
qui est lui maintenant avec un autre partenaire en finale des championnats du monde, et puis leurs routes se sont séparées. Voilà Brian et Carmen. When we're together, I'm in a dream. Alors souvent, les gens qui découvrent la danse sportive trouvent que les chorégraphies des professionnels sont un peu moins fournies que les amateurs, mais tout est beaucoup plus techniquement évidemment fini et plus dansé. Le passo-doble, quatrième danse, et le réalisateur Jean-Louis Machu qui s'attarde justement sur Brian Watson et Carmen. Brian, dans sa carrière, a tout gagné. Le champion du monde junior, tous les plus grands titres amateurs, dont les championnats du monde, évidemment. Ça, c'est très rare. Elle ne pouvait pas voir la danseuse, elle était dans son dos. Ce n'est pas très grave, ça déconcentre plus qu'autre chose. Voilà, pour ce passo, on vous le disait tout à l'heure, influencé par le flamenco. Voilà, un merveilleux exemple. C'est ce que j'allais dire. Cinquième danse et dernière de cette demi-finale, le jive. Une des danses favorites de Brian. Et là, on voit qu'ils s'amusent tous les deux. Couple italien, Gabuzzi, également habitué des grands rendez-vous internationaux. Il fait partie de l'équipe d'Italie professionnelle, donc présent dans les championnats d'Europe et du monde. Couple fidèle de Bercy également, Ian White et Natalia Panina. Un couple en progrès constant. Voilà pour cette demi-finale professionnelle latine. J'ose même pas dire dominée par Carmen et Brian Watson, mais je vais le dire quand même. On va retrouver en finale, on ne vous le cache pas, deux couples français. C'est une très bonne performance, cet Open de Bercy pour les Français. Très bon résultat. Absolument, je pense que dans les mois à venir, l'équipe de France professionnelle latine va compter parmi les meilleures nations du monde. Sur Martine et Lydia, je disais qu'elle était fabuleuse, mais évidemment elle a un danseur très très bon également. Et pour patienter jusqu'au final, voici la formation lituanienne Zvedra Kledarapur. Ces huit couples sont champions du monde également. Regardez. Take it to the ball and on that runway. Shoot that arrow.
La Belge. An extravaganza. Magnifique. Belle chorégraphie. Je vous rappelle que cette formation lituanienne est championne du monde, championne d'Europe. Les mouvements sont très très bien synchronisés. Eric, ça doit demander un travail énorme. C'est vrai que c'est un travail très très important parce qu'il faut tout ce qu'il se cale. Et ce qu'on peut noter également, c'est qu'il y a quelques années, les couples qui faisaient partie des formations de standard ou de latine avaient un niveau technique relativement moyen. Tout était basé sur la qualité d'ensemble. Or maintenant, ce n'est plus vrai, la qualité de chaque couple a considérablement augmenté. Ils prennent part souvent individuellement à des compétitions comme le Grand Prix de Paris. C'était le cas tout à l'heure en standard avec le couple polonais qui était présent en demi-finale de cette compétition. Donc ça renforce encore plus le niveau de ces formations, la qualité visuelle que le public ou les téléspectateurs peuvent recevoir. Et encore une fois, venu des pays de l'Est, on vous en parlait tout à l'heure. Ça se confirme même au niveau des formations et surtout au niveau des formations forcément. Alors c'est vrai qu'ils puisent leur inspiration en Allemagne parce que l'Allemagne a été et est encore quand même un grand pays de formation. Donc souvent ils ont leur entraîneur principal, leur coach, et ils font appel à des chorégraphes allemands bien souvent. On va s'intéresser maintenant à la finale standard professionnelle où l'on retrouve 7 couples, parmi lesquels 3 Italiens, 2 Russes, 1 Estonien et un couple français, Corinne Pion et Bruno Petit, dont on vous a parlé tout à l'heure. La première danse, la valse lente de cette finale. Un couple de l'Est, un couple russe, Sergei Belikov et Irina Luneta.
couple russe. Et le couple italien Galeone Manigras, finaliste dans les danses standards lors du championnat du monde de danse. Français en demi-finale, il n'y en a qu'un en finale. Delphine et François Fouché n'ont pas réussi à atteindre cette finale standard chez les professionnels. Effectivement, de peu, puisqu'ils finissent 8e. Voilà le couple russe dans une série de pivots à droite. Deuxième danse, le tango de cette finale. Avec le couple favori, Pansignori Baldasseroni. Estonien. Ils ont par le passé été finalistes des championnats d'Europe en danse standard chez les professionnels. Ils marquent le pas depuis quelques années, mais toujours présents au moins dans les demi-finales. Et en finale ce soir à Paris. Bruno et Corinne. Corinne qui se classe régulièrement en finale des rendez-vous majeurs. Et on parlait tout à l'heure, Eric, des tenues. Vous disiez que les danseurs étaient parfois des artisans de la mode. Et bien Corinne en est le parfait exemple, puisque c'est elle qui concocte ces tenues. Absolument, ils ont tous les deux une boutique pour spécialiser dans la danse à deux. Donc ils fabriquent, mais ils effectivement dessinent, imaginent les robes et également les tenues pour les danses latino-américaines. Artiste jusqu'au bout. Troisième danse, le Slow Fox. Un autre couple italien, Bosso Ferrari.
Je parlais tout à l'heure de la rapidité pour les juges à juger. Il faut dire qu'ici, sur cette finale, il n'y a pas de danse en solo pour apprécier d'un côté la technique et après pour pouvoir comparer les couples les uns aux autres. Effectivement, professionnel, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas ce système de danse solo que nous connaissons pour les Open IDSF et championnats d'Europe et du monde amateurs. Cela viendra peut-être, je ne sais pas. Personnellement, je trouve que c'est à souhaiter. C'est un plus aussi bien pour le public que pour les juges, évidemment, et puis même pour les couples. Ça leur permet de s'exprimer seuls sur piste. Avant-dernière danse, le quick step. Avec ce couple italien bondissant, dont le quick step est une de ses danses favorites, même si la danseuse n'a pas une tenue exemplaire. Quand je parle de tenue, je parle de positionnement, hein, pas de robe. Par contre, la tenue est exemplaire. Vous parliez de la tenue, Eric, non vestimentaire, mais du corps. En quickstep, il faut dire qu'il y a beaucoup de critères en danse pour juger, pour les juges. Il y en a une dizaine. Et en quickstep, notamment, on fait très attention au cadre. Effectivement, parce que c'est une danse donc rapide. Elle arrive en fin de programme. Donc bien souvent, c'est là que le cadre du couple, le cadre, c'est donc la tenue en haut du corps du couple. Et ben, ce cadre est un petit peu mis à mal par la fatigue. Donc un couple qui est meilleur a généralement un cadre qui bouge beaucoup moins et qui est toujours bien présenté. Parce que pour arriver en finale, vous vous en doutez, il faut danser un certain nombre de fois, donc la fatigue en finale est énorme. Et donc c'est la dernière danse de cette finale, la valse viennoise. Viennoise enjouée, guillerette même, je dirais. Et un salut de tous les couples au public, un public auquel il faut rendre hommage. C'est un public de connaisseurs. Effectivement, depuis que les compétitions à Bercy sont organisées, le public a eu l'occasion de s'éduquer, entre guillemets. Donc les gens sont devenus de plus en plus connaisseurs. Ils suivent la danse sportive à travers la télévision, sur Paris Première, mais également sur Internet, avec les différents sites. Ils se tiennent au courant des résultats. Ils deviennent de plus en plus exigeants, et ils ont raison, sur la qualité des couples. C'est d'abord un spectacle, et puis au fil des années, ils se sont rendus compte que c'était un sport. Donc ils sont devenus pointus.
Mais c'est bien qu'ils retiennent la notion de sport-spectacle. C'est parfait, c'est artistique quand même. Et surtout, je dirais même. Donc si les couples peuvent les faire rêver, leur faire oublier les années de travail et leur faire penser que c'est faisable immédiatement, bah tant mieux, c'est très bien. Finale professionnelle, toujours, mais en latine. Cette fois, on note la présence de deux couples français, Cyril Cerveau et Angélique Pires, pour la première fois en professionnel, et Marc Barbieri, que vous avez à l'image, avec Agnès Saurin. Marc doit être très content, il renoue ainsi avec cette finale qu'il a pu disputer à chaque inscription à cette compétition. Ça va augmenter leur capital confiance. Le couple polonais dont nous parlions tout à l'heure en demi-finale, présent depuis quelques années à l'Open de Paris, et ici en finale du Swiffer Dance Master. Mais c'est quand même incroyable la fluidité et l'espèce de naturel qui se dégage de cette jeune femme. Effectivement, même sur des figures très, très basiques hein, que les gens découvrent lorsqu'ils commencent la danse, elle les porte au plus haut niveau, ces figures de base, grâce à sa technique évidemment et puis son travail au quotidien. Et la technique disparaît avec le naturel qu'elle dégage. Mais elle est naturelle parce qu'elle a la technique aussi, hein. Ne mélangeons pas tout quand même. Absolument. Deuxième danse, la samba. L'autre couple français, donc, Cyril Cerveau et Angélique Pires. C'est Natalia Panina. À suivre le couple hollandais. Ils ont l'air très très en forme ce soir. Ils dansent bien en rythme. La samba, une des danses les plus difficiles techniquement. Bien souvent on cite la rumba parce que lente, mais la samba demande un travail de pied, travail de hanche, travail de genou assez important. Là sur un reverse roll, vous voyez toute l'amplitude que l'on doit donner au pas, et ce grâce à un travail de pied important. Faisant tout et bien, le rythme est assez rapide. Donc, plus difficile à exécuter. Eric vous parlait de la difficulté de la rumba. Nous allons pouvoir l'apprécier tout de suite. Lustrado yo con el destino, a Portofino me apresó el cor.
accanto a me. So più degli occhi a me vicino, a Portofino, rivedo te. Non è più triste il mio cammino a Portofino, ai Palmelo, ai Palmelo in Portofino, perché nei sogni credo ancora lo strano gioco del destino a Portofino mi ha preso. On vous parle souvent de sensualité sur la rumba. Là, à coup sûr, elle est bel et bien sur le parquet du Palais Omnisports de Paris-Bercy. C'est certain, elle est au rendez-vous, cette sensualité. Avec Marc et Agnès, Marc Barbier et Agnès Morin, le couple polonais. Martine Dillmann et Lydia Weisser. Quatrième danse et la pause pour commencer le passo doble. Ceux qui pensent que la danse n'est pas un sport, vous venez de voir deux grands écarts. Il faut de la souplesse pour être danseur. Le passodoble, donc une danse également de caractère comme la rumba. Une danse avec des attitudes très marquées. On voit bien sur le visage d'ailleurs. Absolument, ça fait partie de ce jeu. Brian et Carmen. Carmen a commencé la danse à 17 ans. Brian a commencé beaucoup plus jeune en Afrique du Sud. Et dit-on, il s'entraînait en jive justement, que nous allons découvrir, avec des poids aux chevilles, de façon à accélérer son travail de pied. Ben, si vous avez 17 ans, vous pouvez toujours commencer, vous deviendrez peut-être comme Carmen. On vous le souhaite. La réussite d'une carrière internationale, c'est également la régularité. C'est l'exemple de ce couple qui reste et qui est présent tout au fil des années dans les grandes finales.
White et Natalia Panina, en progrès constant, parmi les meilleurs couples du monde maintenant. Voilà pour cette finale latine professionnelle. Et Carmen, je sais, je me répète, mais c'était en tout cas un véritable bonheur de les voir évoluer, elle et Brian Watson, sur le parquet de Bercy. Même au ralenti, on a l'impression qu'ils vont vite. Le paradoxe. Alors, bah, voici donc les grands vainqueurs de ces latines professionnelles. Ce n'est pas une surprise, ni pour vous, ni pour nous. Carmen et Brian Watson, champions du monde, et on peut dire qu'ils ont dominé complètement cette finale. C'est une belle revanche également pour Brian, puisqu'il y a 3-4 ans, ici même à Bercy, avec une autre partenaire, il s'était fait battre par Yuka Palanen et Sirpa Sutari, qui sont maintenant leurs challengers. Deuxième, les Hollandais. Ian White et Natalia Panina, belle performance. Belle performance puisqu'ils vont passer devant le couple allemand Dillmann-Weisser. Dillmann-Weisser qui sont troisième. Troisième, Martin Dillmann et Lydia Weisser, habitués des podiums. Et puis vous allez le voir, une heureuse surprise. Bonne surprise, Marc Barbieri avec Agnès Morin, quatrième, cinquième, Cyril Cerveau et Angélique Pires. Et du côté standard, à la première place, le couple italien, vous l'avez dit, Michel Bonsignori et Monica Baldasseroni, les Italiens. On s'attendait à un doublé italien, eh bien non, se classe deuxième, le couple russe, Luca Tonello et Katarina Barulina. Ils sont visiblement très très heureux. C'est le moins que l'on puisse dire en tout cas. Et très chaudement acclamé par le public. À la troisième place, on va retrouver un autre Italien, Gianfranco Galeone et Loredana Maligras. Et puis septième, vous les voyez, septième de cette finale, Corinne Pion et Bruno Petit. Très applaudis par le public qui ne sait pas à ce moment-là ce que vous avez annoncé en live, Eric. La retraite de Corinne Pion et de Bruno Petit. Alors Bruno, évidemment, à cette occasion, avait rédigé une petite lettre, pleine d'émotion d'ailleurs. Absolument, c'est dans la carrière d'un couple un grand moment. Personne n'était au courant, je peux l'assurer. Ils m'ont mis au courant juste avant de danser le soir même. Et il ne savait pas s'il allait être en finale, donc il voulait que je l'annonce au gala le lendemain, et j'ai décidé de l'annoncer lors des résultats, parce que une finale, lors de la dernière compétition, bah, c'est très important, vous voyez leur émotion. C'est toute une carrière qui s'arrête, pour mieux rebondir évidemment sur les shows, sur les démonstrations. Mais là, je peux vous dire qu'ils revoient rapidement défiler tous leurs bons résultats, leurs bons moments. Alors il remercie évidemment beaucoup de monde, et notamment le public de Bercy. Absolument, mais c'est toujours une compétition magique pour les couples. Le public était très déçu de les voir s'arrêter, puisqu'il les aime beaucoup. Et Bruno et Corinne ont eu toujours de très très bons résultats à Paris. Corinne très très émue, hein, en larmes devant le public de Bercy. Belle émotion en tout cas. Et les vainqueurs, Michel Bonsignori et Monica Baldasseroni, ont tenu sous les acclamations du public, vraiment. Hein. Vous voyez Corinne devant Bruno. Les vainqueurs donc de ce Grand Prix de Paris ont tenu à laisser sortir en premier, ce qui n'est pas forcément la coutume,
Ils ont laissé sortir en premier Corinne et Bruno. Et c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Merci Ricain. Merci à vous. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour le championnat d'Europe latine, les championnats du monde, etc. Salut à tous et à bientôt. Voilà, le Masters de...